pour moi, il est aussi possible aujourd'hui. Puis je venais de lui dire à tout doux, mais j'ai fini avec lui, mais il va être à tout beau. C'est deux fois de maman, il y a plusieurs de vous autres qui m'ont dit fais jamais avec ça. Parce qu'il y a eu maman parler de divorce. Vous savez qu'il y avait plein des bars après la fête, hein, ça paye des excuses aux hommes à aller battre à 2 du matin. À part de ça, je suis vraiment fier de cette visite. Puis je vais remercier tout le monde qui m'a suivi, qui m'a supporté durant mes 20 années. On a eu du good time, c'était pas tout à de la fun, mais rien qu'après les fêtes, c'était de la fun. J'aimerais que la vie de cours right now, il y a beaucoup de monde qui sait pas du tout mais qui ne savent pas jusque le chill of steel, ça devient ça. Je vais vous dire, quand j'ai été une batte à Mississippi contre Robert Durant, bien qu'il était le plus gros boxeur qui a jamais existé. C'est le promoteur qui m'a baptisé le Chino Steel. Puis saviez-vous que la 7e round, ça a cassé sa main sur le Chino Steel? C'est la personne qui a su ça, hein? Ça a cassé sa main sur ma 7. Puis ça a cassé sa main. Puis après la fête, ils m'ont invité dans son deuxième round, dans son motel. Il y avait la main de la glace tout en fait. Puis je l'ai regardé, j'ai dit, ha! Chino Steel, that's right! Chino Steel was valid! Thank you.